thématique très inspirée et nourrie du film La Matrice, de Matrix, avec Keanu Reeves, qui commence à dater ce film, et pourtant, a priori, jamais il n'a été autant d'actualité. Nous entendons un petit peu partout, régulièrement, tous autour de nous, autour de chacun, nous entendons un ras-le-bol généralisé, des critiques, des plaintes, que le système nous oppresse, que le système nous presse comme un citron, qu'il faut se barrer, qu'il faut sortir l'argent de la banque, qu'il faut cacher son argent, qu'il faut aller investir à l'étranger, qu'il faut partir à l'étranger, que la France, pays des libertés, eh bien, en tout cas c'est ce que j'ai toujours entendu dans mon enfance, la France, pays des libertés, eh bien, ce serait de moins en moins la France des libertés, etc., etc., etc. Alors comment quitter la matrice? Puisque a priori, c'est de ça dont il serait question. Mais de quelle matrice parle-t-on? Bien évidemment, l'immense majorité des personnes qui se plaignent du système pointent le système, pointe la société tout simplement. Étant donné que pour ces mêmes personnes, la matrice serait cette société, donc extérieure à elle. Alors bien évidemment, oui, la matrice c'est le système. C'est cet environnement social, professionnel, médical, agroalimentaire, etc., etc., dans lequel nous vivons. Bien sûr. Mais est-ce que ce serait la seule matrice? Vous allez me dire pourquoi, y aurait-il d'autres matrices? Bien évidemment. Bien évidemment. En réalité, ça n'engage que moi. Je ne vous demande pas d'adhérer à mes propos, mais j'avais simplement envie de partager sur cette thématique aujourd'hui. Les gens se plaignent à la veille du 1er juillet que les routes nationales départementales vont passer à 80 km/h et que le système ponctionne ainsi de plus en plus d'argent avec des radars, etc., etc. Eh bien, à mon sens, il n'existe pas une matrice, mais il en existe trois. Il y a une matrice extérieure à chacun d'entre nous qui est la société en tant que telle, bien sûr. Et il y a deux matrices, je dirais indépendantes de la matrice extérieure à la société qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Première des matrices, la boîte de Pandore, avec ses, d'après le film Lucie de Luc Besson, avec ses 90% d'inconscient qui nous pilotent tous autant que nous sommes. Et peut-être même pour les psychologues et les neuropsychologues, eh bien, ce serait même moins que 80, plus que 90%, moins que 10% d'autonomie consciente, qui représenterait en réalité ce fameux libre arbitre. Et quand nous parlons de libre arbitre, en réalité, nous ne parlons pas de liberté, puisqu'on parlerait alors de liberté. Le libre arbitre, c'est cette part de liberté, cette marge de manœuvre dont nous disposerions versus cette part de conditionnement, largement représentée par ces 90, 95, 97% d'inconscient, de subconscient, la fameuse boîte de Pandore. Et dans cette boîte de Pandore, dans ces conditionnements, il y a les croyances, il y a les préjugés, il y a les interdits, il y a les programmations directement héritées de l'éducation parentale familiale, les diktats intérieurs, les injonctions familiales,
Il y a aussi tout l'héritage transgénérationnel, les ascendants, arrière-grands-parents, grands-parents, parents, etc., etc. Lesquels héritages, les ascendants, eh bien, que nous transmettrions aux descendants. Chacun connaît ça. Eh bien, en soi, c'est déjà un conditionnement qui va générer ce que l'on appelle une vision, ou plus modestement, plus réalistement, un regard, un minimum faussé sur la réalité extérieure au travers des filtres. Quand bien même nous n'avons pas de lunettes au sens propre, eh bien nous avons tous des filtres. Ainsi, la réalité que nous percevons à l'extérieur est tributaire de ces filtres. Et ainsi, nous ne voyons pas forcément tous la même chose. Et que, en cela, en soi, cela constitue une véritable matrice qui nous conditionne plus que ça, qui nous limite, voire nous enferme dans un système donné et contribue largement à influencer notre façon de penser, de ressentir, d'agir, d'être en relation avec soi-même et avec le monde. Alors si matrice égale prison, la sphère mentale, non consciente, parce que conditionnée, est aussi une prison. Et puis, bien sûr, nous ne pourrions pas parler de matrice sans parler, pour moi, de cette très importante, parce que très influente, très déterminante matrice dans la balance, dans notre vie de tous les jours, qui est la matrice du ventre. Le cerveau, le fameux cerveau des émotions, mais aussi le cerveau digestif, mais aussi le cerveau matriciel, la matrice, l'utérus. Nous avons tous été portés par le ventre de notre mère. Vous, mesdames, vous avez porté la vie pendant 9 mois. Et puis, dans ce ventre, dans ce bas-ventre, il y a le bassin. Et entre le bassin et le bas-ventre, il y a la sphère, bien sûr, digestive, urinaire, mais aussi génitale. Et donc, la génitalité, la relation sexuelle, la dimension sexuelle dans la relation à l'autre et aussi à la relation à soi, constitue pour moi aussi une matrice, la matrice du ventre. Et nous voyons bien comment nous tournons autour de la nourriture pour nous remplir beaucoup plus que pour nous nourrir véritablement, parce que nous sommes très peu à l'écoute du ventre, de ses véritables fins physiques, de l'estomac, du corps, et que la plupart du temps nous mangeons alors que nous n'avons pas forcément faim, parce que nous répondons à cette matrice qui est la matrice du mental et de tous ces conditionnements, bien sûr sociétaux, relationnels, conviviaux, liés au partage, au plaisir, mais c'est d'abord une affaire avec soi-même. Et donc, j'avais envie de resituer les choses, parce que plutôt que d'incriminer la société, plutôt que de pointer du doigt le système, et de dire, comme nous avons toujours fait, comme à l'école, de dire « j'ai eu une mauvaise note, c'est la faute au prof, le prof est un con », bien sûr. Tous les ados ont dit ça, je l'ai dit aussi. Mais nous ne pouvons pas en permanence nous déresponsabiliser et projeter à l'extérieur, sur la société, ce qui relève fondamentalement de notre capacité au discernement et à devenir maître de ce qui est inscrit en nous. Maître voulant dire conscient, et conscient voulant dire libre. La matrice mentale, la matrice du ventre, et dans le ventre, je le rappelle, les émotions, le cerveau des émotions, 100 millions de neurones, au regard de ce magnifique documentaire Arte ou France 5 sur le ventre émotionnel, lequel influence directement sur le ventre digestif
Et dans cette appétence à la nourriture, il y a aussi cette appétence sexuelle, le cerveau sexuel, et puis le cerveau matriciel, le cerveau de la vie, hein, le cerveau génito-utérin, la grossesse. Toutes ces mémoires latentes, actives, entretiennent un certain conditionnement mental, lequel entretient un certain conditionnement au niveau du ventre, de cette relation que nous pouvons avoir à la gestion du stress, la relation à la nourriture, la relation aux émotions, lesquelles influencent aussi sur le mental et aussi sur la nourriture, et puis bien sûr la sexualité, épanouissante ou frustrante, selon comment elle est vécue et de quelle nature elle est, bien sûr, tout cela interagit parce que tout est en interdépendance. Nous avons une structure multidimensionnelle ultra complexe et bien plus que biochimique, elle est très largement entretenue et pilotée par tous ces conditionnements liés à ces deux matrices, le cerveau et le ventre. Et j'ai envie de dire que la société, le système que nous pointons à l'extérieur n'est pas tellement le problème, n'est pas tellement le défi en tant que tel, car il est dit dans cette approche quantique que nous ne percevons finalement de l'extérieur que ce que nous sommes en mesure de percevoir de l'intérieur, à partir de l'intérieur. Or, la plupart du temps, nous manquons énormément d'objectivité, de transparence, d'honnêteté avec nous-mêmes. Et il est plus facile de projeter, d'accuser l'extérieur et ainsi de se déresponsabiliser. Non, en réalité, la véritable matrice, c'est à l'intérieur que ça se passe. Les grands maîtres, les grands sages de l'Orient et surtout de l'Inde et du Tibet le disent depuis des centaines et des centaines d'années, depuis des siècles. En réalité, nous avons tout à l'intérieur. Source de bonheur comme source de malheur. Le malheur commençant par la frustration, le sentiment de limitation, le sentiment de ne pas pouvoir choisir, le sentiment de se sentir bloqué, limité, inhibé et de rester dans ces conditionnements. Qui conditionnement, quand il se densifie, eh bien, constitue de véritables cuirasses. Les cuirasses, les fameuses cuirasses émotionnelles, et qui nous coupent un petit peu plus de nous-mêmes, et bien sûr nous coupent un petit peu plus de l'extérieur. Voilà. Alors, si l'extérieur, finalement, n'est jamais, paraît-il, qu'une résultante d'un intérieur, et résultante dont chacun d'entre nous participe, quant à sa qualité, quant à sa beauté ou à sa décadence. Matrice extérieure, le système, la société. Si l'extérieur ne serait jamais que un certain résultat de ce qu'il y a d'abord et avant tout à l'intérieur, alors, plutôt que de fuir au bout du monde, plutôt que de vouloir quitter la France, plutôt que de vouloir se retirer dans une grotte, dans une cabane, sur la montagne, dans la forêt, ou pire, se révolter, poser des bombes, il n'est absolument pas question de tout cela. Et là encore, les grands de ce monde l'ont dit, soit le changement, incarne ce changement avec toi-même que tu souhaites voir dans la société. Commençons par chacun d'entre nous, commençons par regarder un petit peu plus à l'intérieur. Le véritable changement commence par un éveil. Et l'éveil, c'est la prise de conscience de ce qu'il y a à l'intérieur, à partir de quoi nous pouvons véritablement agir et peut-être influencer en conséquence, uniquement en conséquence et non pas volontairement sur l'extérieur.
c'est se mettre à jour avec son cahier des charges, définition du bonheur pour David Douillet. Quand il a été médaillé olympique de judo à Sydney, début des années 2000, etc., etc., etc. Il n'y a de matrice perçue comme telle d'un point de vue extérieur qu'au regard et directement conditionné là aussi par ces deux matrices intérieures, le mental et le ventre, tout simplement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces propos. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce sens, je ne vous le demande même pas, je ne vous demande surtout pas de croire à tout ça. C'est ma perception. Et mon engagement, il est avec moi-même à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Et bien sûr, il y a une interrelation, il y a une interdépendance intérieur-extérieur, car l'un ne saurait exister sans l'autre, bien sûr. Mais commençons par balayer devant notre porte, et mieux, de faire le nettoyage à l'intérieur, de notre maison intérieure. Et je suis sûr que ça ira mieux aussi à l'extérieur. Alors pour répondre à la question de cette vidéo, comment quitter la matrice? Je viens de l'évoquer, je viens de le suggérer. Tourner le regard vers l'intérieur, et comme Jung le disait, tourner le regard vers l'intérieur, c'est s'éveiller.